بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges, les sœurs qui vivent qui ne meurent pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent et dominant sur toute chose Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne serait l'égaré. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, qu'Allah nous rassemble tous dans ce paradis et on dira, comme il, il nous l'a rappelé, on nous l'a dit, il nous l'a annoncé. Dans la surah 7, verset 43, c'est pour cela qu'on a commencé par celle-là. « Alhamdoulilah iladhi hadana li hada »« Alhamdoulilah » qui nous a guidés vers ça. « Wa li On n'aurait pas été guidés « laou hanan Allah »« laou laa hadan Allah » si Allah ne nous avait pas guidés. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de purifier nos âmes, de purifier, l'éduquer dans ce bon monde avant l'au-delà. « Pad'af lahaman zakah ce qui nous a amené à cette série, dans la surah 91 à Shams, versets 9 et 10, Allah dit Bienheureux a réussi vraiment celui qui l'a purifié, celui qui l'a éduqué, et a vraiment perdu celui qui l'a laissé se corrompre. Donc Allah nous purifie, qu'Allah nous, nous éduque, et ainsi que nos, et nos âmes, et qu'Allah nous purifie Donc de toute forme. D'autres formes de mots, et à commencer donc par l'association sur laquelle nous sommes restés quelques instants. La dernière fois, c'était pour essayer d'extirper les racines, vraiment, puisque c'est bien ça le but, c'est de rencontrer Allah. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne pourront quoi que ce soit pour la personne, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur salim, un cœur qui est exempt, on dit, d'association. Un cœur qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui a compté sur Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui a connu son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on le connaît, on l'aime. Quand on le connaît, on compte sur lui. Quand on le connaît, il suffit. Quand on le connaît, il suffit. Et donc c'est la raison pour laquelle on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous éduquer. Il nous éduque par ce qu'il veut. Nous pensons nous éduquer nos enfants ou le reste. En réalité, c'est Allah qui nous éduque au travers des épreuves de la vie pour nous extirper justement, comme il l'a fait avec son intime Ibrahim, pour que l'amour d'Allah soit au-dessus de tout amour. Et c'est ce qu'il a accordé à ses prophètes, qui ont aimé pour lui, qui l'ont aimé, qui ont aimé à cause de lui et pour lui. Celui qui aime une chose, un être, pour autre, en dehors d'Allah, il lui a associé. Et nous avons certainement parlé de ce verset de la Surah Al-Baqarah. Il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des associés qu'ils aiment comme Allah. Quant aux croyants, ils sont bien plus intenses dans leur amour pour Allah. Et donc, ce, cette purification de, des âmes passe nécessairement par cette éducation cette maîtrise cette euh, cette purification donc de cet aspect de l'âme qu'on appelle l'ego l'ego en français c'est euh, ce qui la représentation que l'homme ou la femme se fait et la considération qu'elle se fait d'elle-même donc nécessairement chacun a un ego l'ego c'est ce que l'on euh, estime être c'est l'estime de soi l'estime de soi ne veut pas dire une surestimation. L'estime de soi, et donc il y a deux écueils, il y a deux extrêmes. Il y a le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. Et j'insiste je, je sur le fait que dans l'éducation de nos enfants, qu'Allah nous a confié en particulier, on a tendance dans la communauté, aujourd'hui, à les dévaloriser. On a des égaux, donc il ne faut pas, bien sûr, les surestimer, il faut pas les, van les vanter, il ne faut pas les, les, leur donner de quoi être fier d'autre chose que l'islam et c'est ça la fierté la vraie fierté c'est ce que tu choisis ce n'est pas la noblesse entre guillemets de tes ancêtres, ce n'est pas le nombre d'enfants que tu peux avoir le nombre de followers même à la limite hein. ce n'est pas le nombre non plus de, 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 de personnes qui assistent à tes cours c'est la vraie fierté c'est que Allah t'a choisi subhanahu wa ta'ala et la noblesse inna akramakum inna at kum. Allah dit dans la surah al-hujurat 49 verset 13 inna akramakum inna le plus noble parmi vous c'est celui qui craint le plus Allah et Allah seul le sait Allah seul sait qui le craint le plus parmi nous c'est pas le look c'est pas la l'apparence c'est surtout ce qui est dans le cœur, comme l'a dit le professeur qu'Allah nous le purifie et qu'Allah nous purifie les âmes. Donc la, celui qui l'a purifié, celui, qui Allah a purifié selon Allah, celui dont Allah a purifié l'âme, certainement c'est lui qui a réussi. Et l'inverse, c'est le vrai perdant. Donc l'ego, c'est ce que chacun d'entre nous en a. Quelqu'un qui a un ego fort, malheureusement, c'est quelqu'un qui est insupportable. Il ne voit pas le mal qu'il fait autour de lui. Et il n'est pas aimé. Pourquoi Parce qu'Allah n'aime pas celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Et donc les remèdes, on verra chez c'est connaître Allah et connaître son nom. Mais ça, on en parlera plus tard chez L'ego centrique, c'est celui qui n'écoute pas les gens. Il ne les écoute que pour qu'ils parlent de lui. Ou quand il parle, il parle de lui, bien sûr, un égo-centrique. Il est centré sur lui-même. Il ne voit que lui. Il a une opinion, bien entendu, très flatteuse de sa personne. Les autres, il ne les voit pas. S'il leur parle, ce n'est que de lui-même. Et il y en a beaucoup. Ça se voit d'ailleurs. Mes soeurs, mes frères, on n'en est peut-être pas conscient. Celui qui est malade de ça, parce que c'est une maladie, Quelque part qui est proche du narcissisme, s'aimer, se regarder, se penser qu'on parle bien, presque s'écouter, on le sent. Quand l'autre parle, quand il l'écoute, c'est juste pour lui permettre de se taire pour parler de lui-même. Là, ça devient une maladie, le narcissisme. On se croit le plus beau, on se croit le plus intelligent, on pense qu'on a les enfants les plus, les, plus, les, plus, les plus intelligents. Voilà, tout est autour de soi-même. Et ça, bien entendu. Ça se voit et ça pousse à l'éloignement des autres. Et si ceci est vrai, parce que le prophète nous a dit que quand Allah déteste quelqu'un, il l appelle l'ange Gabriel, Gabriel. Gabriel, je déteste telle personne, Gabriel le déteste. Et Gabriel descend dans, le, dans les cieux et inspire et ordonne la détestation de cette personne chez les anges donc il ne bénéficie pas de la bénédiction des anges de leurs invocations bien qu'il est, ces deux anges qui écrivent ce qu'il fait et de bien comme de mal et les anges descendent sur la terre et sur la mer et insufflent la détestation de la personne parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est al mutakambir c'est lui seul qui est le parfait Allah seul est le parfait إلديد على سورة 59، verse 23 هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى لُي الله، أندور الكريم، ينبون داترين ندوراسيون. الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. إلى الملك، إلى الرواه لا إله إلا هو، الملك القدوس، السن، البارفان. Al-Malik al-Quddus au Salam, c'est lui qui est exempt de tout défaut. Al-Mu'min, c'est celui qui croit qu'il n'y a d'autre êtres divin, qui sait qu'il n'y a d'autres être divinité que lui-même. Al-Mu'min al-Muhaimin, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Al-Jabbar, le Contraignant. Al-Mutakabir. Muqatil, il dit que Mutakabir, c'est celui qui est au-dessus de besoin et ne ressemble pas à ses créatures. Il ne ressemble pas à ses créatures et il est celui qui est au-dessus de tout, il est de, au-dessus du mal. Il ne fait pas le mal, même s'il si le crée. Al-Mutakabbir, ça vient de Kabir. Al-Kabir Muta'al, quand nous disons Allahu Akbar, Allah est plus grand. Al-Mutakabbir, ça vient de, c'est la même racine. C'est celui qui est grand, au-dessus d'eux. Et Allah est au-dessus de l'injustice. Et Allah est parfait, c'est-à-dire que c'est celui qui n'a besoin de rien, celui qui n'a besoin de personne. Il n'est pas à comparer à qui que ce soit. Il est exempt de tout défaut, donc c'est le parfait. Quelque part, celui qui prend cet orgueil, celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas, justement, c'est à cause de cela que Allah Subhanahu wa Taala dit "La puissance, la la puissance et l'orgueil entre guillemets sont des attributs qui me sont propres. Celui qui me les dispute, je L'envoi en enfer, comme l'a rapporté notre imam, imam musulman, que l'il fasse miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul, parfait, il est le seul, parce que rien ne lui ressemble. Sourate 42, verset 11, rien ne lui est semblable. Que nous connaissons tous dans la Sourate Ikhlas, 112, verset 4 il n'y a personne qui lui est semblable. Il n'y a rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend parfaitement et qui voit parfaitement. Donc Allah est le seul à pouvoir dire, à être qualifié de mutakabbir. C'est un nom qui lui est parfait, comme tous ses noms sont parfaits. C'est un qui amène l'attribut la de la grandeur parfaite, comme lui c'est le parfait. Tout autre que lui ne doit pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Et Allah n'aime pas. Allah n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux, ceux qui ont l'ego fort et qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qui dédaignent les gens, qui les, qui les méprisent, qui les remposent. Il, celui qui a un ego fort, il ne s'occupe pas, il ne se préoccupe pas de savoir s'il fait du mal ou pas. L'essentiel, c'est lui. Et c'est l'ego qui a amené ce qu'il a amené. C'est cet ego, comme on le sait. Ibn l'imam disait Mais fuis-toi du moi. Donc, celui qui a un ego fort, celui qui est égocentrique, qui ne voit que lui, tu l'entends souvent moi. Il, il conjugue souvent à la première personne du singulier. Et quand il veut parler de sa belle famille, la belle famille, vous avez compris, de sa famille. Qu'elle juge bien entendu parfaite et merveilleuse, il, il va conjuguer à la première personne du pluriel. Nous. Nous, vous. Vous, bien sûr, ne répondent pas grand-chose. Nous on est toujours au-dessus. Et c'est ce moi, comme le disait Ibn Qayyim, fais méfie-toi de ce moi. C'est ce moi qui a amené Satan en enfer. Dans la sourate Al-Araf 7, verset 12, quand Allah lui a dit se procéder devant Adam, dans le verset 11, il a dit, non, je n'ai pas à me prosterner. Anna khayrun Anna, moi. En arabe, Anna. Anna, c'est moi. Anna khayrun min, je suis mieux que lui. Je n'ai pas moi à me prosterner. devant lui. Moi. Qui es-tu Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, l'a envoyé en enfer. Et il a demandé, c'est qui nous a valu d'être tenté par lui. Il, nous a demandé, il a demandé à Allah et Allah lui a accordé de vivre parce qu'il a juré à Allah qu'il va nous amener tous en enfer quand nous en prêterons. Donc ça c'est le moi qu'il a amené. Pourquoi Parce qu'il s'est pris. Et les savants disent d'ailleurs, je trouve ça très très joli et c'est une des leçons que Allah donne, il illumine le cœur des, 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 des gens qui lui sont proches, c'est des gens qu'il a rapproché plutôt, que sont les savants. Il dit c'est la base même du raisonnement. Allah ne te demande pas quest ce que tu penses de cette situation-là. Allah t'ordonne. Il est le sage. Si tu le connais, tu sais que ce qu'il ordonne n'est que le, la meilleure des choses. Tu n'as pas à te poser la question, mais je ne comprends pas, moi. Mais comment se fait-il, comme beaucoup d'entre nous le font, c'est que ta foi est faible si tu en as une Ta foi est faible si tu en as une. Parce que c'est le Seigneur, c'est lui qui sait tout, c'est l'omnipotent, c'est le miséricordieux par essence, par excellence. C'est le pardonneur, c'est le grand pourvoyeur, c'est le créateur sans besoin. Et donc, comment est-ce qu'il peut t'ordonner une chose et que tu es là en train de discuter la, la chose Et il dit dans la Surah 33, il dit dans la Surah 33, il n'appartient ni aux croyants ni à la croyante. Une fois que Allah et son messager ont décidé une chose, qu'ils aient le choix. parce qu'ils parce qu savent d'où ça vient et c'est ce qui a fait les siddiqines parmi lesquels Abou Bakr Siddiq radiallahu ta'ala parce que la foi nécessite la foi implique nécessairement que tu obéisses à celui que tu sais conviction que tu es, dont tu es certain que toutes les choses tout le bien entre ses mains que celui qui sait tout, celui qui peut tout, que tu te soumettes à ce qu'il te tordonne pour ton bien, puisqu'il n'a pas besoin de toi. Pourquoi tu veux qu'il fasse du mal il, il ne le fait pas. Et donc, c'est pour cela que celui, le meilleur de cette communauté, après les prophètes, le meilleur de cette communauté, Abu Bakr Siddiq, pourquoi il a été appelé Siddiq Pourquoi il a été appelé le véridique Parce que c'est un croyant. Quand on lui a dit que le prophète sallallahu sallam, prétend, puisque c'était des faibles fois qu'ils sont venus, tu n'as pas entendu ce que dit Mohammed, c'est qu'il y prétend être monté au ciel. Hier soir, il est déjà revenu. Il a dit s'il a dit, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas de doute dessus. Il, Allah dit aux, aux bédouins, les nomades, verset 14 les bédouins ont dit, nous nous croyons. Allah, Allah dit à son professeur Sassan de lui dire, cool, dis leur à Vous n'avez pas cru. Dites plutôt nous sommes soumis. Soumission et croyance. Soumission et croyance sont deux choses différentes quand elles sont utilisées dans les mêmes endroits du Coran, comme disent les savants de l'explication du Coran. Tous les musulmans sont croyants. Tous les croyants sont musulmans, hein? sauf quand Allah dit :« Croyants et musulmans, c'est qui sont différents. » Les nomades, Allah dit :« Vous n'êtes pas. » Dit leur Roi Dites plutôt, plutôt, dites plutôt que vous êtes soumis. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Vous vous soumettez à Allah par la prière, par le jeûne, par le pèlerinage, mais la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui est arrivé de dire aux meilleurs des hommes après les prophètes, je parle de ses compagnons, aux vous qui prétendez, qui proclamez la foi par la langue et la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Si ça c'est eux, que dire alors de nous La langue, bien sûr, elle est éloquente parfois. Elle fournit en tout cas elle ne cesse de bouger pour parler de, de soi-même d'où l'égocentrisme d'où cet ego qui a envie de se vanter comme si ce que tu fais de bien on revient dessus wa Allah dans la sourate 16 verset 53 tout bien qui vous arrive ça vient d'Allah wa Donc on a cru رسول الله عليه وسلم ألقى في هذا الآية 14 سورة 49: كُلَّا تومنوا ولكن قُولُوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لعفا أن الله ورسوله لا يليتكم من أعمالكم شيئاً. يا اللَّهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يرتابوا Les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son Messager, et ensuite ils n'ont plus douté. Et après, ensuite, ils n'ont plus douté. Voilà la croyance. Parce que tu sais que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tu crois vraiment à Allah, si tu le connais, très certainement tu n'as pas de doute. Tu n'as pas de doute, tu vas lui obéir parce que tu sais qu'il n'ordonne que le meilleur, puisqu'il sait où est le bien, où est le mal, celui qui a créé les deux. Et tu sais qu'Allah ne fait pas le mal. Donc, s'il t'ordonne une chose, s'il fait une chose, c'est sûr, tu ne comprends pas, mais tu lui obéis. Et c'est ça la soumission. Ce n'est pas la soumission de la femme vis-à-vis -vis de son mari, ce n'est pas la soumission d'un homme par rapport à un autre homme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'esclavage. Vous, vous êtes soumis. Oui, nous sommes soumis. Pourquoi nous sommes soumis Parce que c'est la soumission, c'est la confiance du nageur. Qui se laisse aller avec les lois, les règles qu'Allah a dictées pour pouvoir nager. C'est le fait de prendre les causes nécessaires pour arriver à un but, parce que tu sais que celui qui a ordonné cela, celui qui a mis ces règles dans la nature, dans, en toi-même et dans les autres, tu sais que c'est celui qui sait. Et toi, tu ne sais pas. Et Allah le dit souvent. Allah le dit souvent, notamment dans la surat. Al-Baqarah, verset 216, retenons-le. Allah sait, vous ne savez pas. Pourquoi? C'est naturel. C'est légitime que tu poses la question. Qu'est-ce que Allah me veut pour la? Mais il ne veut que le bien, et Allah ne fait que le bien. Et donc, euh, l'ego-centrique, l'ego, celui qui ne pense qu'à lui-même, qui pense qu'il est ce qu'il est, très certainement il est dans l'erreur. Et c'est ce qui l'amène à penser souvent à moi, à se donner ce qu'il n'a pas. Ce qui ne lui appartient pas Tout appartient à Allah Je disais donc Qu'Ibn Qayyim disait C'est ce qui a amené Satan à l'enfer Moi je suis meilleur Je suis meilleur que lui Et ça lui a valu ce que ça lui a valu Et c'est la première désobéissance à Allah Je disais que les savants disait justement il a raisonné Ce que je pense C'est certainement par rapport à la, à la révélation Il n'y a pas Je pense, je crois que ce qui a fait de nous des soumis, et qu'Allah nous fasse vivre soumis et nous rappelle soumis. Par rapport à la révélation, la Ijtihad, c'est une règle. Chez les savants, il n'y a pas de mon avis, mon opinion, quand il y a une révélation, soit par le Coran, soit par un hadith qui est authentique. La Ijtihad, il n'y a pas, je crois, je, il n'y a pas d'effort à fournir par rapport à l'intelligence humaine, quant à comprendre ce qu'Allah a dit, mais pas à agir selon ce que nous nous voulons. Pas agir selon ce que nous voulons. L'Ijtihad, c'est l'effort d'interprétation. L'effort. Djihad, c'est la même racine que djihad. Djihad, c'est faire des efforts. Et donc l'Ijtihad, c'est le fait de faire des efforts pour, pour extraire des lois ou des règles dans une situation compliquée, nouvelle. Basée sur ce que les savants disent, le Coran bien sûr, le Hadith ou la Sunna, et également, il y a le consensus des savants. Jamais ma communauté, a dit le professeur ne va se réunir sur du faux. Il y a des avis majoritaires, il y a des avis minoritaires, mais Allah subhanahu wa ta'ala a béni cette communauté Elle ne va pas s'unir, les savants, ne vont jamais s'unir sur du faux. Parce qu'il que ce sont des gens qui craignent Allah. En réalité, dit Allah, dans la surah 35, par Verset 28. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Puisqu'ils craignent Allah, Allah a voulu que leur donne cette lumière qui leur permet de comprendre, de distinguer le vrai du faux. Par conséquent, jamais la communauté de Muhammad Sassan ne va s'unir sur du faux. Satan a utilisé sa raison pour l'opposer à la révélation. Allah dit, prosterne-toi. Et dit, non, moi je suis meilleur que lui, donc je ne me prosterne pas. Voilà. comment on te dirait, toi tu es trop, trop, trop intelligent pour croire. Comment tu peux croire On m'a déjà posé la question, comment tu peux être chercheur et en même temps croire Assez ah, étonnant. Mais justement, c'est parce que j'ai cherché, qu Allah m'a montré le chemin et que je crois. On a dit, euh, dans les années 90, quand l'histoire... Le hijab a été levé en France, 89 plus exactement. Dans un journal que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de la publicité, on a interpellé une femme qui était un hijab. On lui a dit, euh, enlève ton hijab et sois libre. C'est joli. Enlève ton hijab, sois libre. Elle a répondu, c'est parce que je suis libre que je porte le hijab. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. Personne ne lit. La ikraha fi din dit Allah, verset 256, la surat al-Baqara, juste après l'ayat al-Kursi. La ikraha fi d-din, qad tabayyan ar-rushdu min al-ghay. ar la, 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 la droiture, se distingue aisément de l'égarement. Elle dit, c'est parce que je suis libre. C'est effectivement les femmes qui ne sont pas libres et, qui, et à qui on impose de porter de ceci, de ceci, de cela. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. C'est même quelque chose d'interdit. À la mesure où, si on le fait pour autre que Allah, on ne va pas continuer tout ce qui est fait pour autre que Allah, que ce soit le hijab, que ce soit la prière, que ce soit autre chose, Allah ne l'accepte pas et ça ne va pas perdurer. Il n'y a que ce qui est fait pour Allah qui peut perdurer. Et il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Pour revenir donc à notre ego, Anna, moi je suis, moi je crois, moi je pense. Voilà. Les intellectuels qui croient avoir tout compris se prennent pour ceux qui ne sont pas justement, parce qu'ils ont oublié d'où ils viennent. Entre Allah et ses créatures, il n'y a que cette soumission-là, cette acceptation qu'il est lui seul digne d'adoration, donc qu'il est lui seul qui doit être aimé pour lui-même. Et qu'il est lui seul qui sait tout, c'est lui seul le pourvoyeur, c'est lui seul le créateur, c'est lui qui gère tout. Et c'est le seul digne d'adoration, parce qu'il est le seul digne de louange. Le fait que celui qui prétend ne pas croire ne croit pas, ça prouve qu'Allah est digne de louange, il ne pas créé. Il ne pas laissé dire des atrocités. Il n'aurait pas laissé lui, lui désobéir. Ça prouve qu'il est le miséricordieux. Il est. Le digne de louange. Satan a désobéi à Allah, il est parti en enfer. Pourquoi À cause de son orgueil. À cause de son orgueil. Et l'orgueil est la cause, Allah le dit souvent. L'orgueil est la cause du fait que les gens refusent de croire ou prétendent ne pas croire. C'est l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil Le prophète alayhi salam, il a dit, je reviendrai inshallah aux deux autres, il a dit alayhua, dans ce qui a été rapporté par Ibn Masaoud, consigné dans l'authentique de l'imam musulman, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, le professeur a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. Celui qui a tant soit peu d'orgueil. Et un homme qui était là, qui a dit, ya on aime, tout le monde, on aime bien porter des beaux habits et des belles chaussures. Ce n'est pas au prix des 1000 euros. La paire de tennis, c'est pas ça. À l'époque, il cherchait il savait ce que c'était la vie. Mais de belles chaussures. Et de beaux habits. Pas des habits qui coûtent. Dieu seul le sait combien. Les gaspilleurs sont les frères de Shaitan. Et Shaitan a désobéi à son Seigneur. Nous sommes chargés de gérer ce qu'Allah nous a confié. Et on sera interrogé dessus, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. L'homme il a, il a dit c'est que tout le monde c'est tout le monde veut comme on a dit il y a deux semaines je crois le professeur n'a pas dit quelqu'un lui a demandé d'après le hadith de Sa'ad et al saadi Sa il il a dit ya allah moi une chose pour laquelle Allah par laquelle Allah va m'aimer et les gens vont m'aimer le professeur n'a pas dit non 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 il faut que juste que Allah t'aime naturellement on aime être aimé et là l'homme il a dit L'homme aime. L'homme il, il a dit la généralité, il n'y a pas que moi, tout le monde, tout le monde aime être bien vu. C'est une ostentation qui n'est pas blâmable, sauf si on le fait avec un cœur qui est dépasse la limite et on le fait avec un cœur qui est ce qui est à la recherche de l'agrément d'autre que Allah subhanahu wa Mais l'homme aime avoir de beaux habits et de belles chaussures. Qui peut dire le contraire On peut s'en priver. Mais l'homme aime ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu le meilleur des hommes à tout Il ne parlait pas de lui-même. Il a dit Allah est beau. Allah est beau et il aime la beauté. Allah est beau et Allah aime la beauté. Il dit L'orgueil, c'est quoi C'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens et de mépriser les gens, comme il a dit à cela donc le pauvre orgueilleux, qui se prend pour ce qui n'est pas, la première des choses qu'il qui, qui perd, c'est justement la guider. Un orgueilleux ne va pas accepter parce que c'est que ça vienne d'une femme, que ça vienne d'un enfant, que ça vienne de quelqu'un de moins que lui, parce que comment se fait il qu'Allah lui ait donné ça et pas à lui. Il faudrait que ça vienne de lui. Il accepterait encore que ça vienne de quelqu'un d'aussi noble que lui, et encore. Ça le gênerait, mais pourquoi ça viendrait d'une femme Pourquoi ça deviendrait d'un noir Pourquoi ça viendrait d'un enfant On entend, quand tu expliques à quelqu'un, la prière, il va te dire, je connais ça depuis que tu n'es pas né, y compris dans nos, nos pères et mères, hein? surtout nos pères. On entend parfois, non mais non, si je connais ça depuis... Oui, mais je ne t'ai pas demandé, si tu, si tu connaissais, pourquoi tu ne le mets pas en pratique Non, nos parents connaissez ça, donc tu ne vas pas maintenant nous changer notre religion. Ils ont toujours fêté ça, ils ont toujours dit ça, oui, et si vos parents étaient dans l'erreur. Ça, c'est de l'orgueil. Malheureusement, on pense être bien guidé, mais c'est de l'orgueil. C'est le premier péché qui s'est produit. Et l'auteur, c'est Satan. Sur lui, c'est qu'il mérite. Ça, c'est l'orgueil. Le prophète a dit donc l'orgueil c'est le fait de refuser la vérité. Si la vérité tu la prends en fonction seulement de celui qui le dit, alors tu es orgueilleux. On fait dire Ali qu'Allah Lagré, reconnais la vérité, tu connaîtras les gens de vrai. Tu connais les gens de vérité. Ce n'est pas parce que ça vient d'un tel que c'est vrai, et je me rappelle encore de ce frère qu'Allah le réforme et lui pardonne, qui me dit Mais un tel tel sheikh a dit donc c'est vrai. Je lui ai dit, s'il était là, c'était le cheikh en question, certainement, tu t'aurais réprimandé. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui a reçu la révélation de la part d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et donc l'orgueil, c'est le fait de, j'accepte la, la parole parce qu'elle vient d'un tel. Je la refuse parce qu'elle ne vient pas d'un tel. Si le professeur Salam avait fait ça, mes frères, on ne serait pas là aujourd'hui. Je vous rappelle, à Hodebi, quand il est sorti en année 5 de l'Égypte, pour aller faire... La Omra et qu'il est parti, pas pour la guerre ni quoi que ce soit, Allah en, a tiré, Allah en a retiré un très grand bien pour les croyants. Simplement, on ne pouvait pas le comprendre. Même Omar ne l'a pas compris. Quand il a dit Maintenant, les Mékouas l'ont empêché d'arriver à la Mecque, à quelques kilomètres, au Libye. Les Mékouas l'ont empêché de rentrer à la Mecque. Parce qu'ils étaient orgueilleux. Orgueilleux, comment est-ce que des gens qui ont fui, qui ont abandonné notre religion, qui viendront maintenant, ils vont faire le pèlerinage comme ils veulent Non, il faut que nous en demandions l'autorisation. Il faut que nous en demandions l'autorisation. Puisque vous êtes venus, vous ne rentrerez pas. Pourquoi Parce que ça ne nous plaît pas. Pourquoi Parce qu'on est, c'est on est nous, les rois, entre guillemets, les meilleurs des Arabes, la meilleure des tribus. Pour que tout le monde sache. Personne ne rentrera chez nous qu'avec notre permission. Et Allah a inspiré, il n'inspire que le meilleur au prophète Prophet qui a accepté. Et Omar ne comprenait pas. Comment se fait-il que Est-ce qu'on n'a pas raison, nous, Ya Allah, il dit si. Est-ce que si eux mêmes ils vont pas en enfer et nous au paradis, il dit si. Mais pourquoi tu acceptes ça Ne nous as-tu pas dit qu'on va aller rentrer, qu'on va rentrer à la Mecque On va faire que tu t'es vu en rêve en train de raser la tête en tant que pèlerin, il dit oui, mais est-ce que je t'ai dit cette année-là Tout ça pour dire quoi Pour dire que quand euh, le professeur wa a accepte le traité, et les croyants vont l'accepter, parce qu'ils n'ont pas le choix quand Allah a décrété une chose, sur 33, verset 36, quand Allah et son message ont décrété une chose, le croyant n'a pas le choix, parce qu'il croit à la perfection d'Allah. Il croit que le messager apporte la vérité. Et donc il n'a pas le choix. Le prophète Sallam, leur a ordonné donc de sacrifier les bêtes et de se raser. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont traîné à le faire. Et il est rentré sous la tente, sa tente, et il était accompagné de notre mère, Oum Salama, ainsi que toutes les femmes du prophète et tous les croyants. Notamment les compagnons de Muhammad, alayhi wa sallam, tous sans exception. Il a dit, au oh, um salamah, ton peuple va être détruit. Elle dit, pourquoi, Ya Il dit parce qu'ils ont désobéi au prophète d'Allah. Un peuple qui désobéit au prophète d'Allah va être détruit. Pourquoi? Parce que je leur ai ordonné de se raser, ils n'ont pas voulu le faire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit Elle n'a pas dit, tais-toi, femme. Elle a dit. Ya et si tu sortais, tu appelais ton barbier pour te raser la tête. Il n'a pas dit oh, toi, femme. Moi, je suis prophète. Moi, j'ai quand même de quoi. J'ai des références. Je, je reçois directement la parole d'Allah au travers de Jibril ou au travers ou sans sans intermédiaire. Pourquoi toi, tu vas me donner ça Non. Parce que c'est l'humilité et on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde. Si Allah a voulu, Subhanahu wa Taala que cette femme lui suggère ça c'est qu'il n'y a pas de hasard il est sorti, il a appelé celui qui devait lui raser la tête ils lui ont rasé la tête, il n'a pas fini de se raser la tête que les compagnons sont mis deux, deux, deux par deux ou un peu plus pour se raser parce qu'il a écouté parce qu'il n'était pas orgueilleux alayhi wa sallam, le plus humble des hommes Allah lui a proposé il a donné le choix entre être un prophète serviteur ou un prophète roi comme il a donné à Daoud, à David, comme il a donné à Salomon. Qu'est-ce qu'il a choisi On le sait. Il a choisi d'être esclave ou serviteur d'Allah et son messager. C'est pour cela que nous disons Ashadu Allah ilahil asha alla Muhammadan, abduhu wa Rasul Abd, c'est serviteur. Abd, c'est esclave d'Allah. Il dit Vous savez pourquoi Parce que la servitude contient beaucoup plus. Quand Allah veut louer son serviteur, quand Allah veut louer, rapprocher son serviteur quand il veut le louer, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit Entre autres, dans la surah 18 que vous lisez tous les, tous, les, tous les vendredis, à cause des bienfaits qu'Allah a attachés à la lecture qui illumine d'un vendredi à l'autre vendredi, la surah 18, la, les, la grotte, al kaf Allah commence, qu'est-ce qu'il dit « anzala ala abdi il wa lam Louange » Éloge et remerciement à celui qui a envoyé sur son serviteur, sur son esclave, sur son esclave, sur son serviteur, un livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité. Et juste avant, dans la Surah 17 qui la précède à l'Isra, le voyage nocturne, qu'est-ce que dit Allah Dans le premier verset, Subhanallah, min al minal al haram, ilal mashidil aqsa. Que sa gloire soit proclamée. Subhanallah, celui qui a fait voyager son serviteur, son esclave, Mohammed, sa salam de nuit, depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée Aqsa, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est le théâtre d'atrocité. La mosquée de Jérusalem. Pour lui montrer les signes. C'est le troisième lieu sacré de l'islam, après la maison sacrée qui est la Kaaba et la mosquée du professeur Allah. C'est la terre des prophètes, que Dieu le bénisse tous. C'est une terre qui reste sacrée, qui doit le rester, et qui le restera grâce à Allah. Et Allah dit, dans la surah Jinn, dans la surah 112, et quand l'esclave d'Allah s'est levé en train de les appeler. Bref, il parle de Issa, Jésus en tant qu'esclave, en tant que serviteur d'Allah. Quand il veut honorer quelqu'un, il l'appelle qu'est-ce qu'il dit à Allah Ya dit omes oh mes esclaves, ô oh mes serviteurs, parce que je vous ai aimé, parce que vous êtes soumis à, à, à mon ordre en croyant en moi. Et c'est pour cela qu'Allah honore les gens. Wa ibadur Rahman la 25, Al-Furqan, et les serviteurs d'Allah, et les esclaves d'Allah, et il les dépeint de la meilleure des façons. D'entre être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se rabaisser, c'est cette humilité que Allah aime, parce qu'on sait qu'il est lui élevé, et tout autre que lui ne peut être que son serviteur ou n'est autre chose que sa créature, qu'elle le veuille ou pas. Et c'est pour cela que se prendre pour ce qu'on n'est pas, L'orgueil, c'est le fait de... La, le premier, la première victime de l'orgueil, c'est l'orgueilleux. Parce qu'il ne profite pas de la science. Il ne profite pas de la science. Que Allah a révélée. Donc c'est quelqu'un qui ne profite pas de la connaissance. Il la voit, il a la connaissance. La connaissance lui a été transmise, mais il la refuse. C'est la raison pour laquelle Allah a mis les orgueilleux, a conduit, a promis aux orgueilleux l'enfer. Pour ceux qui ne croient pas en lui ou qui démontent les signes d'Allah et les prophètes, c'est connu. Et même pour celui qui a tant soit peu d'orgueil, qui voit la vérité, qui ne la suit pas, Allah, le professeur Sassolam dit qu'il rentrera en enfer. On ne dit pas qu'il va y rester, mais il rentrera en enfer. Car on nous préserve de l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est le refus. Et la conséquence pratique, c'est quoi C'est de mépriser les gens. Est-ce qu'on aimerait être méprisé Certainement pas. C'est se croire supérieur aux gens. Le Prophète nous l'a interdit. Ne vous jalousez pas, ne vous méprisez pas, ne vous trahissez pas. Jusqu'à la fin du hadith, rapporté encore par l'imam musulman, qu'il a fait miséricorde. Les orgueilleux, au jour du jugement dernier, seront comme des fourmis sur lesquelles les gens vont marcher, puisqu'ils sont pris pour ceux qui ne sont pas. C'est l'ego. Moi je suis. On dit c'est ce qui a mené Pharaon en enfer. Anarabukumulala. Je suis votre Seigneur. Alors que Moussa a été envoyé avec son frère Haroun pour lui pour en leur parlant, en lui parlant de la meilleure façon, en le rappelant pour qu'il craigne, ou peut-être qu'il se rappelle, qu'il n'est qu'une créature qui a été créée de ce que l'on sait. Il a répondu, Anarabukumulala, sur la 79, Annaziat, verset 24. Et Allah l'a pris d'une saisie. Nous se rappellerons très certainement les gens qui ont quelque chose dans la tête. Donc le premier perdant, c'est l'orgueilleux. Il perd le bénéfice. Quel est pourquoi un savant est considéré parce qu'il sait et à quoi sert une science qui ne te sert pas. Que tu refuses. Et il y en a beaucoup. Et ensuite qui méprise les gens. C'est pour cela que l'orgueil n'est pas aimé, qu'il le veuille ou pas. L'orgueil amène la jalousie. L'orgueil amène le mépris. L'orgueil amène la rancœur. L'orgueil amène tout ce que ça amène, comme combien de défauts. Et c'est la mère l'une des mères de tous les péchés, comme le disait Ibn Qayyim quand fasse miséricorde. C'est l'orgueil qui a amené Pharaon en enfer. Je suis moi. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et matin et soir, Allah le dit. Matin et soir, dans la Surah al 40, verset 46. Matin et soir, Satan et ses acolytes, sont le feu leur exposer exposé matin et soir avant que ce soit au jour du jugement dernier. On parle donc de la tombe. Même si on voit sa momie, il souffre et le feu le brûle. brûle son âme matin et soir, avant, avant qu'il soit ressuscité et qu'il aille en enfer pour l'éternité. L'orgueil peut être basé également, la manifestation peut être pas seulement le nombre, la richesse. Ils sont souvent orgueilleux, les riches. Et Allah sur les riches. Allah nous le rappelle, au oh vous les gens. Ô humain, vous êtes tous des indigènes, des pauvres vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est le riche, celui qui se passe de tout et le digne des louanges. Sur 35, verset 15. Et voilà celui qui se pavanait, qui s'appelait Koré, Karun, qui était de, du peuple de Moussa. Et que les gens enviaient, beaucoup de gens enviaient. Et Allah lui avait donné... Des trésors tels que les clés de ces trésors étaient lourds apportés par un groupe de gens forts. Les clés, seulement les clés. Et qu'est-ce qu'il dit Je ne le dois qu'à qu moi-même. Je ne le dois qu'à ma science plutôt. Je ne le dois qu'à ma science. Et Allah, comme conséquence, a fait que le, la terre s'est ouverte et l'a engloutie. Quand tu parles du nombre, ce n'est pas le nombre. Les gens les plus suivis sont souvent des égareurs. Et le nombre, quand le croyant, quand les compagnons du prophète, certains compagnons plutôt, ont été impressionnés par le nombre. Allah le rappelle d'ailleurs dans la sourate 9, Taouba, verset 25. Rappelez-vous, quand votre nombre vous a trompé, ils se sont retournés, ils ont vu debout juste 10 000 ce jour-là les Hawazines qui étaient une poignée de polythéistes mais hein, qui les ont fait, qui les ont mis en déroute parce qu'ils ont dit aujourd'hui personne ne pourra vous battre vous êtes tellement nombreux. Il faut savoir que la Hawala wa la kwa il y a des forces et de puissances que par Allah. C'est ce que ne sait pas l'orgueilleux. Il se prend pour ce qui n'est pas. C'est pas sa force. C'est parce qu'il ne connaît pas son Seigneur. Voilà trois exemples d'orgueil. Et l'orgueilleux peut manifester son orgueil dans les actes, en se vantant. Il peut manifester et compter l'origine de l'orgueil, ça peut être la noblesse, on a dit, en disant qu'on est noble, et ça, malheureusement, ils sont nombreux, y compris parmi les musulmans. Il y a des nobles et des non-nobles dans nos sociétés. Celui-là, c'est un noble. Donc jamais, il n'acceptera il que sa fille se marie avec... Un esclave, comme on l'appelle, ou quelqu'un d'une caste. C'est de l'orgueil. La noblesse n'est pas là. On a demandé au prophète qui est le plus noble. Il dit le plus pieux d'entre vous. Et la piété, on la met de côté. C'est qu'on cherche. C'est un homme pieux Non. Riche De préférence. Mais surtout qu'il soit d'une ligne noble. Comme si. Tu les avais vus créer esclaves. La noblesse, c'est la piété. Ça peut être le nombre, ça peut être la puissance. Que les gens, moi, je suis puissant, je viens d'une famille puissante, mon père est ceci, moi, j'ai une armée derrière moi, moi, j'ai ceci, c'est de l'orgueil. Celui qui compte sur autre que Allah, il a vaincu déjà, il le sera. Sans aucun doute. Et donc, cet orgueil vient de quoi en réalité Ça vient de la fatuité. Ojub. L'origine de l'orgueil, c'est Ojub. C'est l'émerveillement par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on est. Tu es émerveillé par ça parce que tu es surpris, bien entendu. Tu as oublié d'où tu viens et surtout, tu as oublié ton Seigneur, de qui tout procède. À qui tout revient sans qui rien, rien ne se réalise. N'as-tu pas connu ce Seigneur Il y a un verset qui a retenu mon attention aujourd'hui. C'est le verset 9 et suivant de la surah 41. Allah subhanahu wa ta'ala 41. Il dit, Aïn, dis-le ya Muhammad,

Il a créé les cieux. Il les a appelés. Soumettez-vous à moi de bon gré ou malgré. Qu'est-ce que les deux ont dit On se soumet à toi de bon gré. Et toi, tu oses... Vous osez me croire à celui-là. Tu oses te comparer à celui-là. Tu, tu oses trouver une puissance. Tu oses comparer. Tu oses parler de puissance, même avec un petit p. يا الله دي سبحانه وتعالى entre autres, dans ده سورة 39 verset 67 وما قدر الله حق قدره انهم الله سبحانه الله سبحانه الله كما ينبغي ولا جميعا قبلته يوم القيامه وَالسَّمَاوَاتُ مَتُوِيَّاتٌ بيمينه سبحانه وَتَعَالَى عما يشركون سوره الزمر الجروب، فيرس 67 ما ما الله كما Il fera de la terre une poignée le jour de la résurrection. Et il pliera les cieux dans sa texte. Subhanahu wa ta'ala, gloire à Allah, le très élevé, l'exalté par rapport à ce qu'on lui associe. C'est que tu ne connais pas ton Seigneur. Celui qui, quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit elle est. C'est lui qui t'a créé. Tu ne te connais pas non plus. Tu te connais pas dans la mesure où, rappelle-toi. <muché> Sourate à l'insan, 76, versets 1 et 2. Un temps n'est-il pas passé où l'homme n'était même pas une chose mentionnable. « Inna khalaqna l'insan amin nottafa »« Amshaji nabitali »« Faj'alna hu sami'an basiro » Nous avons créé l'homme à partir de notre fa, à partir d'une morula, si on peut l'appeler ainsi. Une chose pour laquelle, quand elle sort, tu dois te laver. Et comme on dit, d'où tu viens Tu viens du néant. Tu viens du néant. Tu n'existais pas. Un temps est venu l'homme n'était même pas une chose mentionnée. Donc l'homme vient du néant. Allah l'a créé à partir de terre, c'est notre conviction. Adam alayhi salam. Et ensuite la progéniture d'Adam à partir de d'un spermatozoïde qui va féconder un ovule. Et comme les anciens disent. Quelque chose qui va sortir d'un conduit urinaire et ensuite qui va se prendre pour ce qui n'est pas. Et Allah a fait de cela un ovule fécondé et il lui a préparé le meilleur délit, d'où l'origine des monstres. Et ensuite, cette chose va devenir une, comme une bouchée de chair et évoluer pour être un fœtus où il n'y a Là où il n'y a ni enclume, ni ciseaux ni couteau, ni marteau, et qui va, Allah lui a donné Sami Ambasiro, Allah lui a ouvert. Il a donné des oreilles, il a donné des yeux, là où il n'y avait rien. Et toi qui n'étais même pas une chose mentionnable, et qui était, qui vient d'un mélange de liquide, et qui est passé par différentes étapes, et l'embryologie, Allah en a parlé avant bien entendu que l'on sache ce que c'est que l'embryologie au 19e siècle, de la façon la, la plus merveilleuse. Maurice Bikaï disait, un Bédouin du 17e siècle n'aurait pu jamais deviner ça. ça c'est la preuve, si besoin en était, que le tenait de son Seigneur, Khotar, parce que personne ne viendra. Allah parle son livre. Hein? Le faux ne l'atteint ni de devant ni de derrière. Surat 41, faut s'il l'atteint encore, verset 42. Et donc, ce Seigneur, Subhanahu wa si tu te rappelles de ce que tu as été, aujourd'hui tu ne diras pas moi, 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 qui tu es. Et ensuite tu vas devenir quoi Prenons le verset 5 de la surat 22. Et oh, vous les humains, dit Allah dans la Sourate 22, Al-Hajj, si vous doutez de la résurrection, on vous a créé deux. Et il décrit cette embryologie aujourd'hui vérifiée, attestée par les scientifiques au travers de ce qu'elle leur enseignait. Il enseignait à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et ensuite, tu sors. Et ensuite, tu deviens un homme ou une femme. Et ensuite, c'est le retour vers la vieillesse, au point d'arriver, de, de, de tout oublier, comme l'Alzheimer. Allah ne l'a pas appelé ainsi, mais au point où l'homme ne sera Il devient comme un enfant. Il a tout oublié. Il ne reconnaît même plus ses propres enfants. Il ne sait même plus où il est. Et ensuite, il devient... On va le mettre dans un trou, quel que soit son orgueil. Demandez à Pharaon. Et ensuite, il va devenir, il va être mangé par les vers, il va devenir squelette qui va être détruit, qui va se confondre avec la terre, il va rester un seul os, comme l'a dit le professeur sallam, le coccyx, à partir duquel Allah va ressusciter la personne comme il va ressusciter toutes choses, qui a vécu ici, toutes choses vivantes. Si tu ne remercies pas Allah, si tu te prends pour ce que tu n'es pas. Et toi qui te crois puissant, toi qui te crois riche. En l'espace de fraction de seconde, on a vu les inondations, on a vu les tornades, on a vu des choses qui ont brûlé. Ta richesse part en fumée. On a vu que toi qui te prends pour ce que tu n'es pas, on a vu le Covid. Un virus qui te détruit et qui te cause la mort. Un virus. Une maladie qui t'empêche de te lever et de t'asseoir. Et tu te crois fort, et avec tout ça, tu, te, tu, tu, tu re oses refuser. Même Pharaon accepte la vérité, mais c'est trop tard. Quand il a dit qu'il croit qu'il n'y a autre être digne d'adoration si céleste, le Dieu de Moïse et de Haroun. Allah lui dit Al-Anne, que maintenant Alors que tu étais un rebelle. C'est quand tu rencontreras l'ange de la mort qui te dira ô oh, homme exécrable, sort de ton corps maudit, que tu sauras que la vérité, que Allah est la vérité, que tout autre en dehors de lui n'est que fausseté. Donc l'orgueil et la fatuité, je disais, c'est le fait de s'émerveiller devant soi-même, se prendre pour ce qu'on n'a pas. La fatuité, donc, a deux piliers, alors que l'orgueil en a trois. La fatuité, le premier pilier, c'est l'émerveillement de soi-même. C'est le cube qui est dessous et c'est par rapport à toi-même. Quant à l'orgueil, c'est également, c'est deux plus le fait qui est Mutakabir Ale. c'est-à-dire celui que tu déconsidères, que tu considères, que tu méprises par rapport aux autres. L'orgueil, c'est la manifestation de la fatuité vis-à-vis -vis des autres. Quant à ça c'est la fatuité, c'est-à-dire ce de quoi tu es fier, ce de quoi tu es orgueilleux. Il ne s'agit pas de, de ne pas être fier. Comme on a dit, il faut être fier de son, du choix que Allah a fait de nous, d'être des musulmans. Il faut en être fier. Et non se cacher. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as choisi, alors sois fier et remercie-le. Au travers de... Son obéissance au travers de la pratique de ce qui t'a ordonné pour ton bien, au travers de la satisfaction d'Allah comme Seigneur, de l'Islam comme religion, de Muhammad sal comme messager envoyé comme miséricorde pour les univers. Donc ce kibr, ses conséquences sont juste terribles. Ses conséquences sont juste terribles. L'enfer, a dit le prophète et le paradis se sont disputés. On n'y était pas, mais on y croit. Le paradis, l'enfer a dit que je suis le lieu de séjour des tyrans et des orgueilleux. Le paradis a dit moi, je suis le lieu de séjour des modestes et des pauvres. Allah tranchante les deux. Il a dit vous êtes au paradis, tu es. Le prototype de ma miséricorde. Au enfer, tu es un représentant de mon châtiment. Mais tous deux, vous serez remplis. Allah n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux. Ça suffit comme châtiment. Allah a promis l'enfer aux orgueilleux. Même si c'est pour un certain temps. Et un séjour en enfer n'est pas une mince affaire. Donc, chacun d'entre nous voit ce qu'il a comme orgueil dans le cœur. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont orgueilleux et qui le cachent. Et d'autres le manifestent par la vantardise, par le mépris, par ceci et cela. Le meilleur des hommes, Mohammed, est suivi en cela par les meilleurs compagnons, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, que ce soit Othman, que ce soit Ali, que la tous. Et les compagnons comme Abu Hurayra et d'autres, même quand il était gouverneur Abu Hurayra, pour commencer par lui. Il allait, il allait acheter au marché et il était en train de laisser passer le gouverneur avec ce qu'il avait sur le dos. Et on demandait à Ali, on va prendre ce que tu as pour te soulager, il dit non. Celui, j'ai entendu donc c'était c'était hadith. Celui le propriétaire d'une chose a plus le droit de la porter. Nous, quand on nous voit, quand on voit quelqu'un, notamment dans les pays musulmans, toujours des porteurs, toujours des esclaves, toujours, il faut être à notre service. Alors que le prophète, comme il a dit, tous les prophètes ont été bergers. Ils ont dit, même toi, il dit, même moi. Même moi, ne m'élevez pas au-dessus de ce que Allah, de, de qu Allah a voulu m'élever. Il est le meilleur des hommes. Il a été élevé d'ici-bas son honneur et qui continue, et dans l'au-delà également il sera honoré. Alayhi wa sallam. Il cousait, ses, il rapiaissait ses habits, il cousait ses chaussures qui étaient déchirées. Il était au service de sa famille. Il trahait lui-même les, les brebis qu'il gardait pour le mekwa, ou les chamelles qu'il gardait pour le mekwa. Ça, c'était Muhammad sallallahu sallam. À l'image de tous les prophètes, Ses compagnons ont fait de même. C'est par le fait de te rabaisser. Nul ne s'est rabaissé pour Allah sans qu'Allah ne l'élève ne en degré, comme l'a dit le prophète. Celui qui se rabaisse pour Allah, je ne dis pas qu'il a la tête baisse parce qu'il n'est est pas fier de son islam ou il n'est pas fier de lui-même. Je ne parle pas de ça de celui qui se rabaisse pour autre, que Allah certainement sera baissé ici et dans le-delà. Celui qui se rabaisse pour. Tu as raison. Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui, dans la polémique, fuyant la polémique, aimant ce qu'Allah aime, il abandonne la polémique même s'il a raison. Non, non, je veux lui montrer qui je suis. Je suis plus fort que lui intellectuellement. Je suis plus fort que lui sur ceci, cela. Je veux lui démontrer. C'est que tu t'es donné, c'est que tu. une chose qui ne t'appartient pas. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Subhanahu wa si Allah t'a confié la beauté, ma soeur, si Allah t'a confié la, le, la force, mon frère, si Allah t'a confié un peu de science, ne sais-tu pas qu'il y a plus savants que toi Au-dessus de chaque savant, dit Allah dans la Surah Yousuf, la 12. Verset 76. Au-dessus de chaque savant, il n'y a plus savant. Al-Khidr, l'homme vert, quand il était avec Moussa, Al-Khidr Al lui a dit à Moussa Vois-tu Moussa Quand il était dans le bateau, il a fait, fait, il a fait faire, il a fait plutôt des brèches sur l'inspiration divine, et il dit Vois-tu Moussa Il n'y a pas de hasard. Des moineaux, j'imagine, des, 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 des oiseaux sont posés sur le rebord du bateau. Et Allah a voulu que les, les oiseaux, celui qui pourvoient tout besoin, aillent prendre quelques gouttes d'eau. Il a dit vois-tu, mon saint Ta science, Allah lui a donné une lumière, un guide, qui est la Torah. Et la mienne, Allah lui a donné l'explication de certaines choses de l'avenir. Rassembler ne représente pas par rapport à la science d'Allah pas plus que quelques gouttes d'eau. C'est quelques millilitres. Au microlitre, même, je dirais, que ces oiseaux, que cet oiseau vient de prendre par rapport à l'eau de la mer. Epsilon, disais-je, par rapport à l'infini. Alors, il est le seul parfait. Si tu es savant, tu ne, si tu n'as pas compris que tu, tu ne connais pas grand-chose, alors très certainement, tu n'es pas savant. Tu es instruit, pas savant. Et savant disait, nous ne sommes que des nains sur les épaules de géants. Et des géants, ils pensent bien entendu aux gens qui nous ont précédés parmi les savants. Mais que dire alors du savant? al Alim, Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Si tu es fort, ne vois-tu pas qu'il y a bien plus fort que toi. Si tu te crois intelligent, comme le disent les anciens, celui qui ne connaît pas son Seigneur et ne connaît rien. Tu peux avoir le prix Nobel, tu peux avoir ce que tu veux. L'intelligence n'est pas là. C'est ce qui va te sauver. L'intelligence, c'est celui qui se prépare pour l'au-delà. Qu'est-ce qu'a dit le professeur Salam al qayis L'intelligent, c'est celui qui travaille ici-bas pour l'au-delà. Quant à l'inverse, celui qui se fait des illusions, c'est celui qui espère sans travailler. L'homme aura ce pourquoi il aura fait des efforts. Soit ce bas monde et une partie seulement, soit dans l'au-delà pour le, le bonheur, pour l'éternité, pour la et la félicité pour l'éternité. Donc, ce que Allah subhanahu wa taala nous promet, c'est d'éduquer l'âme qui veut bien se soumettre à ce qu'il a révélé wa Et cette âme ne sera éduquée qu'au travers de la maîtrise de son ego. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie. On a tous envie d'être valorisé. On se prend heureusement, heureusement d'ailleurs. Il ne faudrait pas avoir ce complexe d'infériorité. Beaucoup de gens ne croient pas en eux-mêmes. Ils ont le complexe d'infériorité. Ce n'est pas ça que l'on souhaitait. Mais c'est le complexe de supériorité qui est encore pire. Celui qui a un complexe d'infériorité ne souffre pas d'orgueil, mais il souffre d'autre chose. Il souffre d'un complexe, alors que nous sommes tous doués. Comme j'aime à le dire à mes frères. Nous sommes tous doués. Tu ne sais pas dans quoi tu es doué, mais tu es doué. Ne dis pas non, moi je ne suis pas doué. Tu n'es pas doué en mécanique comme moi. Tu n'es pas doué en électronique comme moi. Tu n'es pas doué en informatique comme moi. Mais je suis sûr qu'Allah nous a confié Allah nous a donné des choses dans lesquelles il faut exceller. C'est pour cela qu'Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Il n'y a pas de saut métier. Allah a donné à chacun tout ce que nous avons, ça vient d'Allah. On a dit, Tout bien qui nous parvient vient d'Allah. Tout est don. Ce ne sont pas des droits, ce sont des dons qu'Allah fait à qui tout un chacun pour peu de temps. Et on retournera certainement bientôt à lui. Et il va trancher tous les différents et on prie. Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa satisfaction, le prix, parce qu'aucun d'entre vous, disait le professeur Sallallahu que tu ne sois pas émerveillé, ma soeur, parce que maintenant je suis dans l'islam, maintenant je porte le hijab, maintenant je fais le prix à l'heure. Ne sois pas émerveillé par ce que tu fais, parce que tu ne, personne ne doit compter sur ces actes. Le professeur Sallallahu a dit personne d'entre vous ne rentrera, pas, ne rentrera au paradis par ces actes. On a dit même toi et même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Parce que tu ne peux le faire. Vraiment, C'est de l'orgueil, moi. Moi maintenant, moi ceci. Bien sûr qu'il faut conjuguer à la première personne. Si je veux t'exprimer. Mais si tu peux conjuguer à la troisième, c'est encore mieux. Il a été fait ceci. Il a été fait cela. Allah m'a permis de faire ça. Plutôt que de dire, moi j'ai fait ça. Moi je veux ça. Moi je décide. Ce moi, c'est le débit de la perte. Et ça trahit malheureusement le fond de beaucoup d'entre nous. Il faut maîtriser. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie. Encore une fois, je le dis, on en a envie. On est des hommes, on a une âme et on aimerait tous paraître le mieux possible. Mais Allah seul sait la réalité. Et donc, ne te vante pas. Voilà tout à coup, on fout ce Ne vous purifiez pas vous-même. C'est Allah qui purifie qui veut. Cet homme, si grâce à Allah, tu l'as purifié, tu l'as éduqué en lui donnant ce dont il a besoin, la crainte d'Allah, tu auras gagné. Si tu l'as laissé suivre ses passions, comme Allah dit, subhanahu wa si tu ta'ala ton âme suivre ses passions, tu te prends pour ce que tu n'es pas, tu seras surpris parce que tu n'es pas grand-chose. Un jour viendra où tu ne seras pas grand-chose. Et un jour fut où tu n'étais rien. Et un jour viendra où tu ne seras pas grand-chose. Mais si tu réalises que tu es ce que tu es grâce à Allah et que tu n'es pas grand-chose, alors Allah va te lever en degré. Cette éducation, il faut le dire à ton âme quand elle se prend pour ce qu'elle n'est pas, quand elle se met à mépriser sa sœur, que se met à mépriser son frère, à mépriser l'autre pour sa couleur, pour son look, pour sa pauvreté, pour je ne sais quoi d'autre. Certainement, tu dois dire c'est que le Prophète nous a enseigné, Alhamdulillah, Hindadi, Kabihi. Alhamdulillah, qui m'a évité ce par quoi il t'a éprouvé. Ne sais-tu pas que la majorité des habitants du paradis seront les pauvres Ce ne sont pas les riches, c'est les pauvres ne sais-tu pas que tous les prophètes ont été hébergés alors ce n'est pas parce que tu bénéficies de une partie de ce bas monde que tu ne souffres pas comme souffrent aujourd'hui des milliers des centaines des milliers d'individus notamment à Gaza et ailleurs ce n'est pas parce que tu es meilleur que Allah les éprouve et quand Allah aime quelqu'un il éprouve Profite de ta santé, nous avons dit, dans la série d'avant, comme disait Ibn Omar, ta profite de ta santé avant ta maladie ou pour quand tu seras malade, de ta vie ou pour quand tu seras mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur, nous purifie l'âme, nous purifie de l'orgueil, de l'autre cuidance, de la fatuité. Lui seul, Subhanahu wa Ta'ala, est parfait. Lui seul est au-dessus des besoins. Lui seul n'a besoin de personne. Et tout autre que Lui a besoin de Lui. Et si tu veux guérir de l'orgueil, demande à celui qui est le guérisseur et rappelle-toi que tu n'es pas grand-chose. Et rappelle-toi que le Seigneur Tout-Puissant, c'est le seul digne de louange. Subhanahu wa Ta'ala. Nous purifie le cœur, qui nous guérisse de tous les maux, notamment des maux du cœur. Qu'Allah nous accorde sa satisfaction, qu'Allah nous accorde son paradis, qu'Allah ne nous, nous prive pas de la contemplation de sa noble face. Subhanahu wa ta'ala au paradis. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdika, ilaha illa anta, anta asta uleik. Subhanahu wa rabbika, Rabbil izzati amma yasifoon. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته